Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance. L'univers a un message pour vous. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Voilà, on est dans les énergies du printemps et ça fait un bien fou. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur, adaptée à votre situation. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, afin de faire vivre cette chaîne qui est là pour vous gratuitement. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Allez, aujourd'hui, on va utiliser le livre de Barbara Courlet, Message de l'univers, qui est un livre oracle. Allez, quel est le message pour vous? Même si tu n'as pas tout ce que tu désires actuellement, tu as la capacité de choisir de te faire confiance et de savoir que tout ira pour le mieux, tu trouveras le chemin. Donc, on vous invite à ne pas baisser les bras, de garder la foi, de faire confiance à tout ce qui se passe dans votre vie, parce que ça vous mène au bon endroit, au bon moment. On va prendre un message de l'oracle Étincelle. Donc, on vous demande de changer votre état d'esprit, même si peut-être qu'actuellement c'est compliqué ce que vous vivez. Allez. Alors, on vous parle d'enfant des étoiles. Je suis un enfant des étoiles et du cosmos. On vous invite à garder la foi, à continuer à rêver, à continuer de croire que vous méritez le meilleur et que tout est possible. Mais il y a un temps pour tout. Et les belles choses demandent du temps. Et en dos de deck, on a la carte sensation. Je suis à l'écoute de mes ressentis et perçois les merveilles de mon monde. On vous invite là vraiment à être à l'écoute de ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre intériorité, parce que ça vous permettra de prendre les bonnes décisions. On vous demande d'écouter votre boussole intérieure, d'écouter votre intuition. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon et juste pour vous. Allez, on va compléter avec cet oracle. Alors, je n'ai plus le nom. Voilà, les personnes qui viennent dans ma roulotte sont impressionnées de tous les oracles que j'ai. Voilà, je suis une très grande passionnée. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, le chrono, on vous dit que tout se passe selon le timing divin. Vraiment, faites confiance. On vous parle de la paix retrouvée après cette période de turbulence. On vous dit que vous allez retrouver cette paix intérieure. Lâchez le mental, lâchez le contrôle. On vous parle d'une nouvelle direction avec cette colombe, d'un nouvel envol. Bon, on vous invite vraiment à faire confiance à votre intuition.
Peut-être que les blocages que vous vivez actuellement sont là pour vous faire comprendre certaines choses que vous avez à libérer. Peut-être libérer des fausses croyances ou des croyances limitantes que vous avez vis-à-vis de vous-même. On vous parle, le printemps va être une période très importante pour vous. En plus avec le numéro, le chiffre 1, on vous parle bien là d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de nouvelles énergies. Alors, oui, on vous parle avec la carte du cancer de remettre de l'amour dans votre vie, de remettre de la créativité et d'accepter votre sensibilité. On a le droit à certains moments d'être en colère, d'être triste. Voilà, on peut pas tout le temps être au top. Et ça, ça fait partie aussi des cycles de la vie, de l'impermanence de la vie. Alors, avec la carte de la faille, oui, il y a quelque chose là qui est en train de se réparer, qui a été cassé, qui a été brisé. Donc, ça peut être des ruptures aussi bien au niveau sentimental que professionnel. Mais on vous dit que vous deviez vivre cette expérience pour apprendre quelque chose, pour vous libérer de quelque chose, pour retrouver également cet élan de vie, cet élan d'espoir. On vous parle de messages. Vous allez recevoir, et peut-être même que c'est déjà le cas, beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, que vous êtes guidé. Donc, faites confiance à l'univers, même si à certains moments c'est compliqué, je vous l'accorde. Allez, on va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière. En tout cas, on vous invite à vous délester du passé, à lâcher prise, lâcher du lest. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, avec la carte de la magie de la terre, on vous parle bien là d'une période beaucoup plus favorable pour vous. On vous dit de revenir en votre centre, de revenir à votre cœur, de remettre de l'amour et de la magie dans votre vie. Mais ça ne dépend que de vous, de changer le mental, d'arrêter quelque part de vous victimiser et d'essayer de changer vos pensées, de changer vos mots. Nos pensées sont créatrices, donc attention à ce que vous vous dites à vous-même. Bon, on vous parle bien là d'ouverture de cœur, de changement. Il y a là cette notion, on guérit d'une blessure du passé, d'une blessure de cœur, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Bon, on vous parle bien, apprêtez-vous à vivre des bouleversements, mais là, cette fois-ci, positifs. On vous parle bien de changement, de progression. On vous dit, partez à l'aventure. Osez vous lancer dans l'inconnu. Oui, on vous dit bien, n'ayez pas peur du changement là qui se profile à l'horizon. Mais on vous dit bien que l'acteur de ce changement, c'est vous. Bon, et on vous dit bien de vous ouvrir à tous les possibles. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous transmettre comme message. Allez, on va continuer avec l'oracle, les messages des étoiles. En tout cas, là, il y a des grands changements qui arrivent. Donc, ça peut être des nouveaux projets, des déménagements, reconversion professionnelle, nouvelle histoire d'amour. Ou si vous êtes en couple, eh bien, on sort de la routine, on remet de la passion, on fait des efforts pour se retrouver. Ça peut nous parler, bien évidemment,
de nouvelles rencontres. On vous invite à passer à l'action. Regardez ce beau soleil. Voilà, la lumière revient. On vous dit ce qui vous arrive. Ça va vous mettre en joie et vous allez comprendre pourquoi vous avez dû passer par cette période inconfortable pour justement vous aider à lâcher prise et à revenir à vous, à voir au-delà de ce que vous pouvez vivre, au-delà des dysfonctionnements égotiques. Et on vous invite à la reconnexion à votre enfant intérieur, à la légèreté, à la spontanéité, à la joie, à avoir cet état d'esprit de « on part à l'aventure ». Oui, on vous parle bien. Suite à cette période déstabilisante, mais cette période, vous deviez la vivre pour vous élever, pour aller vers quelque chose de plus grand, peut-être que vous ne croyez pas mériter. Mais là, on vous dit « ouvrez-vous grand au changement, déployez vos ailes ». On vous invite vraiment à la créativité, mais dans tous les domaines, à prendre de la hauteur, à sortir de certains conditionnements. Hein. Alors, ça peut venir de votre enfance, ça peut également venir de vie antérieure, mais là, il y a cette notion vraiment de façon, vous allez être poussé. Même si vous ne voulez pas forcément y aller ou si vous traînez la patte, de toutes les façons, l'univers, il va vous pousser. Ok, allez, on va prendre quelques messages de l'oracle des prophéties de l'étoile. Donc, j'ai envie de vous dire là, ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand votre cœur, ouvrez grand votre esprit et ouvrez-vous au champ de tous les possibles. Allez, quel message pour vous aider vers ce renouveau, vers ce nouveau départ? Une carte conseil, s'il vous plaît. Waouh, bon, elle a sauté celle-là. Ralenti. Les périodes que l'on peut traverser dans notre vie, des périodes de stagnation, de ralentissement, de blocage, en fait, sont là pour nous inviter à un travail d'introspection pour pouvoir passer à la prochaine étape de notre vie. Ralenti, tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue car elle te permettra de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Voilà, ces périodes de ralentissement sont vraiment là pour faire un retour à soi, pour écouter nos besoins, pour pouvoir par la suite se lancer dans autre chose, dans quelque chose qui vibre beaucoup plus avec qui nous sommes. Allez, on va terminer avec l'oracle de la manifestation. Tu émets en permanence une énergie capable d'attirer ou de repousser ce que tu veux. Tout est énergie, nous sommes énergie. Alors, dis cette phrase 5 fois par jour pour que ton énergie s'accorde avec tes envies. Je deviens un aimant à tout ce que je souhaite, de plus en plus puissant chaque jour. Plus vous changerez vos pensées vers du positif, plus vous verrez la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, vous attirer à vous en fait de nouvelles opportunités. Donc je vous invite à faire une capture d'écran et à vous répéter ce mantra autant de fois que nécessaire. Vous verrez déjà que vos énergies vont changer en fait de suite. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous souhaite de vous ouvrir à
ce champ de tous les possibles, car vous êtes les magiciens de votre vie. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse. Bye bye.